Je m'appelle Bertrand Denervaux, je viens de Suisse. Je connais un tout petit peu Inside Alpha par différents canaux. Le premier, c'est la GFI et le coin des insiders. Je me suis également abonné au Capital Neutre. J'ai lu quelques articles de Marc à travers d'Agora. J'ai également commandé son e-book sur le site. J'ai également commandé le DVD où j'ai été... où j'ai suivi son intervention dans la journée de l'analyse technique. C'est un petit peu toutes ces choses-là qui m'ont convaincu d'assister à la formation Tortue. Donc j'étais intéressé à cette formation Tortue pour diverses raisons. La principale, c'est que je suis d'une manière générale dégoûté par le monde de la finance et les conseils qu'on peut recevoir dans une banque. J'ai l'impression que les personnes assises en face de moi font tout sauf me conseiller, me vendre des produits qu'on leur a dit de me vendre. Et personnellement, je ne me sentais pas capable tout seul d'investir dans les marchés. J'avais l'impression de faire que des erreurs. En tout cas, le peu d'expérience que j'avais faite était en général des erreurs. Donc je cherchais une méthode carrée qui marche, conseillée par quelqu'un qui a priori savait ce qu'il faisait, pour être capable d'être autonome. Quand on parle de la formation, il y a eu 4 jours de formation. J'ai principalement apprécié les 2 derniers jours de formation. Je pense que les 2 premiers jours étaient un petit peu frustrants. On avait pas mal d'informations théoriques sans vraiment sentir où on allait. On a passé beaucoup de temps les 2 premiers jours sur différentes choses comme le calcul du Z-score, la formule de Kelly, alors qu'on avait peut-être trop survolé certaines choses les jours 2 et 3. Donc je pense que ça vaudrait la peine de structurer le cours un tout petit peu différemment. Je pense que pour quelqu'un comme moi qui n'avait jamais tradé une option, qui avait acheter quelques actions, qui connaît un petit peu les marchés, qui sait comment ça fonctionne, c'est limite, c'est-à-dire qu'il faut quand même s'accrocher pour suivre le cours. C'est beaucoup d'infos où on ne comprend peut-être pas le jour 1, mais on va comprendre en replongeant dans les feuilles pendant les semaines qui suivent. Donc je trouve intéressant d'avoir vraiment espacé d'un mois les journées de formation pour avoir le temps de digérer, parce que souvent le soir de la journée 3, il y a des choses qui sont incompréhensibles, et puis 3 jours après on se dit « ah mais non, c'est évident, mais il y a tellement d'infos pendant un jour qu'on ne voit plus très clair ». Donc je pense que la structure 4 jours est bien. Et au jour d'aujourd'hui, à la fin du 4e jour, je me sens prêt à affronter le marché avec cette technique, mais c'est clair, pas encore à l'aise avec la façon de le faire, vu que j'ai pas effectué les trades. J'imagine que je sais pas si je vais faire d'abord du paper trading ou si je vais directement essayer la formule pour de vrai, mais c'est clair que j'ai encore énormément d'appréhension par rapport à la façon de gérer les idées. Par contre, je suis convaincu par la formule. De mon côté, je conseille la formation à toute personne qui est intéressée à être autonome dans ce milieu et de ne pas dépendre de financiers qui font que s'engraisser et qui vous laissent que les miettes. Et donc moi je me réjouis d'être maintenant autonome, de tester ça. Je ne suis pas vraiment intéressé à faire d'autres choses. A priori, cette méthode de travail une fois par mois et les rendements que ça propose, ça me suffit. Je ne suis pas un kamikaze, je n'ai pas besoin de sueur froide. Donc personnellement, je vais me contenter de cette méthode tortue et voir où ça me mène, en tout cas pendant quelques années, sans vouloir faire d'autres choses. Et voilà. Je conseille cette formation vraiment à tous ceux qui sont intéressés à être autonomes et qui souhaitent une méthode qui fonctionne sans devoir apprendre et faire des années de formation. Je pourrais le dire peut-être plus dans 2 ans, une fois que j'aurai vraiment fait tous les trades moi-même, mais en tout cas, a priori, à la fin du cours, je pense que n'importe qui, intéressé et motivé, peut se sentir à l'aise et aura envie de partir tout seul.